tous. Avant de commencer, je précise que si je parle bizarrement, si j'ai une voix chelou, c'est juste parce que j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée, donc voilà, c'est normal. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver pour vous ouvrir un swap. Voilà, on s'est envoyé ce swap avec Marie de la chaîne Les Créations de Marie. Bien sûr, sa chaîne et la vidéo de ce que je lui ai envoyé seront en barre d'infos, même si vous avez eu voilà, un petit aperçu au début de la vidéo. Je précise que pour le swap, on s'était fixé un nombre de cadeaux, donc on s'est dit 4 cadeaux pour éviter que la vidéo ne dure non plus trop longtemps. Voilà, pour ceux qui le savent, le premier swap, on avait fait 11 cadeaux, je crois, 10 ou 11 cadeaux et des petits bonus. Et la vidéo a duré, la mienne 35 et la sienne 45 minutes, donc c'était extrêmement long. Donc voilà, on voulait éviter de se retrouver à nouveau avec des vidéos hyper longues. Voilà, j'arrête de parler et on va tout de suite ouvrir ce swap, j'ai juste trop hâte. Je pense que je vais, comme vous voyez, il est hyper bien emballé, donc je vais enlever le scotch. Voilà, je vais couper parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure rien que pour le scotch. Et je vous reprends juste après. Ok, c'est bon, donc j'ai coupé le scotch, je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Et du coup, bah, je vais l'ouvrir avec vous, je vais l'ouvrir en face cam et je vous ferai sûrement des close-up, c'est beaucoup plus simple. Et c'est, je pense, mieux pour vous que de me voir ouvrir le swap sur mon parquet. Donc voilà, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Oui, il y a plein de petits trucs comme ça. J'aime trop. Voilà, à chaque fois, il me met des espèces de petits serpentins comme ça. Je trouve ça trop mignon. Donc déjà, il y a un petit papier comme ceci. Voilà, donc je pense que ça doit être le menu. Trop mignon avec marqué Noël dans toutes les langues derrière. Et il y a... bien sûr, encore des carambars partout, comme dans le premier swap, vous m'avez mis plein de carambars que j'avais mis une demi-heure à trier. C'était trop bien, du coup, je vais commencer, je pense, par ouvrir le petit message, vu que ça, je pense que ça doit être le menu. Donc... c'est trop mignon. Donc, je vais vous montrer, c'est le menu. Donc voilà, le menu décoré. Trop beau avec, j'aime trop, c'est washi tape. Il est trop beau avec des petits hiboux de Noël, c'est trop mignon. Donc voilà, 4 cadeaux et 2 bonus. On avait dit pas de bonus, Marie. voilà, on va commencer avec le premier numéro 1. Rien de mieux pour finir ses créas. Je ne sais pas du tout. Je vous rallume ça. Je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Je vais essayer de regarder par rapport au paquet. Oh, il y a sa carte. Elle m'a mis sa carte. Ça fait, je suis trop contente parce que je voulais vraiment avoir... elle a un exemplaire de ma carte et je suis super contente d'avoir la sienne. Voilà, que je vais pouvoir mettre dans ma chambre. Alors, je vais enlever... je vais déposer ici tous les petits papiers qui protègent. Alors déjà, c'est une petite papillote. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur qu'il y a comme soit quelque chose pour protéger, soit que l'objet en lui-même est un peu mou, genre comme du tissu. Du coup je sais pas du tout ce que ça peut être. Donc je vais regarder. Je sais ce que c'est. C'est du vernis Fimo, je crois. Oui, voilà, le vernis Fimo. Oh, trop bien, ça tombe super bien parce que je n'ai plus du tout, voilà, fallait que j'en rachète, du coup c'est trop bien. En plus c'est genre, c'est les grands pots, voilà, genre je sais pas quelle contenance ça a, 35 ml. Mais du coup c'est genre trop bien parce que je n'en avais plus, donc voilà, genre merci beaucoup, je sais pas comment t'as su, mais ça tombe trop bien. Ensuite le numéro 2, on en devient fou. Je sais pas. On en devient fou. Je vais essayer de trouver déjà le numéro 2. Oh, j'ai trouvé un autre truc. Oui, ça c'est trop bien. C'est trop bien ça. Elle m'a mis, elle a fait, on va dire, elle est passée dans le journal de sa région. Et donc voilà, elle m'a envoyé l'article. Donc c'est trop bien. Je voulais trop le lire, donc voilà, ben je vais le lire juste après. Je continue de chercher mon numéro 2 hein, parce que il y a trop de trucs. Celui-ci, numéro 2. Ok, trouvé. Numéro 2, voilà.
Là, comme ça c'est mieux. J'aime trop 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 tes papiers cadeaux. Voilà, genre les papiers ils sont vraiment magnifiques. Donc la phrase c'était on en devient fou. Je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça peut être. On en devient fou. Je sais pas, sûrement quelque chose qui doit être genre très utile ou dont on peut plus passer. Je vais regarder tout de suite. Ah, c'est trop bien! Genre, ça existe comme ça. C'est du plastique fou. Alors, je sais pas si vous connaissez. Genre, c'est un... Je sais pas comment décrire ça. En fait, c'est comme une feuille de plastique et qui réduit à la cuisson. Genre, vous faites une forme ou vous faites un dessin. Oui, bonjour petit frère. Je suis en train de filmer une vidéo. Je finis juste de filmer ça. Allez, zou. C'est un unboxing. C'est un swap, Bastien. C'est pas grave. Allez, sors. Je suis pas couche, je dois regarder. Tu sais que tu t'entends la caméra. Sors, s'il te plaît. Bastien. Je vais pas rester avec un truc derrière mes parapluies, ça va pas le faire. Merci. Voilà, c'était l'apparition du petit frère. Je crois que vous l'avez jamais vu en plus. Enfin bref, j'ai un petit frère. Et du coup, j'étais en train de dire, donc ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est du plastique fou ou du plastique dingue. Et c'est trop trop bien, c'est comme une feuille donc de plastique. Et ça rétrécit quand on le cuit au four. Donc vous pouvez découper des formes, on peut faire des motifs. Genre derrière, il y a un exemple. Voilà, on peut découper des formes, on peut faire des motifs, plein de choses. Et du coup, ça rétrécit au four, donc ça peut faire... et ça devient assez épais. Je sais pas trop comment dire, mais du coup, on peut en faire des petites créations. On peut même monter en porte-clés, en collier et tout. Et c'est trop trop bien. Et là, ceux-là, ils sont trop beaux parce que les feuilles ont des motifs. Donc voilà, il y a différents motifs. En fait, ils sont tous imprimés en bas. Mais du coup, je connaissais pas du tout avec des motifs. Moi, je connaissais juste les feuilles transparentes, normales. Et du coup, c'est trop trop cool, je vais pouvoir tester celle-là, donc c'est trop trop bien. On continue avec le numéro 3, c'était la dernière couleur disponible, désolée, puis l'argent commence à se faire cher. L'argent commence à se faire cher et c'était la dernière couleur disponible. Ah oui, le numéro 3, il est là-bas. Je t'avoue, qu'est-ce que ça peut être? Dernière couleur disponible, ce serait quelque chose que j'avais demandé ou quoi? Il y avait un truc, c'était les feuilles d'or dont je t'avais parlé. Je sais pas si ça peut être ça, peut-être en argenté. Oups. Oui, trop bien. Oh, elles sont trop bien. Donc c'est des feuilles adorées. Trop 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 bien. Et elles sont argentées, mais c'est pas grave, c'est trop beau l'argenté. Et genre donc voilà les feuilles GDO comme ça pour dorer des créations. Trop bien, il y a 25 feuilles. Waouh, il y en a... Je pensais qu'il y en avait beaucoup moins. Oh, c'est trop bien, attendez, je vais les ouvrir du coup parce que je vais essayer de vous montrer. Mais c'est des feuilles qu'on peut mettre sur plein de choses, genre sur de la pâte polymère ou même sur d'autres choses. Le bruit que vous entendez, c'est mon petit frère, hein. Je suis désolée. Bastien ? Oui ? Tu peux faire moins de bruit, s'il te plaît ? Je veux que tu la vaisselle, moi. Ok, mais ça s'entend à la caméra. Et du coup, donc voilà, ça se présente comme ça. Et je voulais trop vous montrer les petites feuilles. C'est trop beau. Donc il y a autour, en fait, il y a plein de petits papiers comme ça pour les protéger. Oh, c'est tout beau. Bon, je vais pas les toucher avec les mains parce que voilà, mais c'est hyper fin. C'est trop beau. Et donc, c'est des petites feuilles qu'on peut mettre sur de la pâte polymère. On peut faire des trop beaux effets craquelés. Enfin voilà, et argenté, c'est trop trop beau aussi. Je sais pas, j'avais demandé doré parce que j'ai déjà pas mal de choses argentées. Mais l'argent c'est trop trop bien aussi, enfin, genre je suis trop contente d'en avoir et du coup je pense que là je vais aller les tester tout de suite après, je voulais faire de la fimo, ça tombe super bien. Merci beaucoup, c'est genre trop 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 bien, j'en voulais trop et je vais pouvoir les tester, c'est génial. On passe au numéro 4, quand tu ne les trouves pas, la meilleure solution c'est de les faire soi-même en espérant que ça va plaire. Quand tu ne les trouves pas... J'ai mes cheveux qui se barrent. Qu'est-ce que je ne trouve pas? Je sais pas du tout ce que ça peut être. Quand tu ne trouves pas, la meilleure solution, c'est de les faire soi-même. C'est quelque chose de métallique déjà. Au bruit, genre... Quand tu ne trouves pas, la meilleure solution, c'est de les faire soi-même. Tu ne trouves pas. De quoi je t'avais parlé? Je t'avais parlé... Ah, peut-être des emporte-pièces métalliques dont je t'avais parlé. C'est... ce que je vois, je sais pas trop ce que ça peut être, mais je t'avais parlé d'emporte-pièces de forme assez bizarre d'ailleurs,
Et c'est peut-être ça, je sais pas du tout. Donc je regarde. Oh. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Du coup, elle s'est embêtée à faire les emporte-pièces aux bonnes formes. Voilà, parce que j'avais parlé de formes, on va dire, assez biscornues. Et du coup, je vous les montre, mais elle a réussi à faire des formes. C'est des formes un peu géométriques, en fait. Genre, voilà, je vous mettrai un close-up. Mais des formes un peu géométriques que je cherchais pour mes créations. Et ouais, je sais que c'est super dur à trouver. Et du coup, elle s'est embêtée à les faire elle-même. C'est genre, c'est trop trop bien. Donc voilà, bah, genre, merci, c'est super cool. Et du coup, je pense que t'as dû vraiment galérer, parce que je sais que les emporte-pièces, c'est hyper dur à tordre. J'ai déjà essayé. Donc voilà, merci, c'est super cool. Et on va passer au bonus, vu qu'elle m'a mis des petits bonus. Il y en a deux. Donc le numéro 1, vive l'été, étant donné que... Attendez. Numéro 1, vive l'été, étant donné qu'en avoir 500 chez nous, ce n'est pas utile. Le mieux, le partage. Alors ça, oui, je sais, c'est un petit délire qu'on avait de se dire que... Enfin, je sais que souvent, on commande, on va dire, des choses en très très grande quantité. Par exemple, j'avais commandé, je crois que ça devait être 800 embouts-griffes parce qu'il n'y avait pas plus petit comme l'eau. Et notre truc, c'était de se dire que ouais, 800 embouts-griffes, tu t'en sers jamais. D'ailleurs, je lui en avais envoyé et du coup là, 500, je ne sais pas trop de quoi ça peut être. Mais je pense que c'est sur notre délire de... Voilà, ça sert à rien d'en avoir autant. Et du coup, c'est bien de partager. J'essaie de voir à la forme. Donc c'est comme ça, j'aime vraiment trop tes papiers. C'est petit, c'est rectangulaire. Je sais pas trop ce que ça peut être. Peut-être des pochettes. Je sais pas, des pochettes zip, je pense à ça parce que c'est la seule chose qui empilée peut avoir une forme rectangulaire. Ou sinon des apprêts peut-être dans une boîte. Je vous avouerai que je ne sais pas trop. Oh, attendez. Je vais y arriver. Oh trop bien, j'avais pas cette taille là. C'est des mini bâtonnets. C'est trop cool parce que moi j'ai que des grands, genre, enfin, plus grands. Et du coup c'est genre trop trop bien. Donc voilà, oui, c'est bien notre délire de quand on achète un truc en super grande quantité, c'est mieux d'en partager et tout. Et du coup moi d'ailleurs je lui ai envoyé des embouts griffes et voilà. Parce que quand j'emballais le swap, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait plus d'embouts griffes et qu'elle savait pas où en racheter. Et du coup, bah, je lui en ai envoyé dans le swap. Mais donc voilà, c'est trop trop bien, surtout que ça sert toujours. En plus, ceux-là, ils sont petits, donc c'est genre trop trop bien. Même pour faire des petits plateaux, des planchettes et tout, c'est trop 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 bien. Donc merci beaucoup. Bon, commence à y avoir une pile de papier cadeau sur mon bureau, les gens, ça devient dangereux. Et du coup, on passe au dernier petit bonus. J'ai le même, ce sera notre connecteur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une chaîne, donc ça doit être quelque chose, un bijou, je pense. Genre, je sais pas, j'essaie de faire le bruit. Mais ça doit être, je pense, un bijou, quelque chose avec une chaîne. Et je crois d'ailleurs que tu m'en avais parlé, que le dernier, c'était quelque chose d'unique et tout. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Oh, j'aime trop. Et du coup, c'est un petit macaron. Trop, trop beau. Ton ruban est magnifique. Et du coup, c'est un petit macaron comme ceci, en bracelet. Voilà, je vais y arriver. Mais genre, trop, trop beau. Avec du glaçage et tout. Genre, j'aime trop, trop, trop sur un ruban. Oui, Bastien, je sais que t'es derrière la porte. C'est pas la peine. Zut. Qu'est-ce que tu veux ? Le petit collier ? Mais tu sais que je suis en train de filmer en fait, hein. Ah merde. Donc tu sais que c'est chiant que tu débarques comme ça. Merci. Tu me feras après. Oui, oui, après. Ferme la porte. Oui. Hey, le petit frère qui s'incruste. Je sais pas, aujourd'hui, il a envie de venir me tenir compagnie. Bastien. Oui. Je sais que t'es derrière la porte. Je suis en train de rentrer dans ma chambre. Ouais, ben rentre plus vite dans ta chambre alors. C'est stressant d'avoir quelqu'un derrière sa porte. Bastien, t'es gentil, tu vas dans ta chambre, tu vas sur Minecraft, mais fous-moi la paix. J'en peux plus. Bon,
Je reprends donc pour la deuxième fois, mais c'était un petit macaron. Donc trop trop mignon. Je vous ferai un close-up, je pense que vous le verrez mieux. Mais du coup c'est un bracelet trop mignon. Genre avec... Je sais pas où t'as trouvé ton ruban, mais il est trop 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 beau. Et du coup voilà. Je vais galérer à l'attacher. Je sais pas attacher des bracelets toute seule. Je vais tenter. Je vais pas y arriver. Mais du coup, il est trop beau. En plus c'est pile ma taille donc ça tombe trop trop bien. Je l'attacherai juste après parce que là, voilà, je suis pas douée de mes mains. Je vais l'attacher plus tard, mais genre il est trop trop beau. Donc merci beaucoup. Et au fond de la boîte, il reste donc plein de petites choses comme ça. Bon, quitte un coup plein bureau, voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et il y a plein de petits carambars qui se baladent de partout. C'est notre truc de se mettre toujours de la nourriture dans les swaps. Bon maintenant elle aura vu le swap de toute façon, donc moi je l'avais mis plein de chocobons dans le swap. Je pense que vous l'avez d'ailleurs vu au début vu que je vous montre un peu la préparation. Je m'étais amusée à lui vider un paquet de chocobons dans le swap. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, j'ai retrouvé ça au fond aussi. J'aime trop ces petits trucs. Donc voilà, bah, que dire à part que ce swap était trop trop bien. Je sais qu'à chaque fois qu'on s'envoie des swaps, enfin c'est toujours que des trucs trop beaux. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir fait ce swap avec toi Marie. J'espère que le mien t'aura plu aussi et j'ai tellement 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 hâte qu'on se voit parce que comme vous le savez peut-être, elle habite, je vais pas dire la ville précise mais dans le nord-ouest, si je me plante pas, nord-ouest de la France, et moi j'habite dans le sud et du coup bah voilà, on est au même endroit. Donc on se parle par Skype, on s'envoie tout le temps des SMS mais on s'est encore jamais vu en vrai et du coup on aimerait trop se voir et peut-être que cet été ça va se produire donc ce serait trop trop bien. Et voilà, on vous tiendra au courant, mais en tout cas, voilà, j'aimerais vraiment qu'on se voit, pouvoir passer du temps ensemble. Et voilà, ce serait juste trop 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 bien. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop trop longue, vu que je sais que quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop long, j'ai pas encore fait le montage, mais voilà, j'espère que ce sera pas aussi long que la dernière fois du moins, parce que les 35 minutes, je pense que ça doit être dur à regarder. Mais voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, le swap, il m'a trop trop plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!